Welcome la famille, c'est la frappe style du 35, j'espère que tout va pour vous. On se retrouve, ça y est, pour la création de notre future star, notre nouvelle pépite du Stade Rennais Football Club. Et on va le créer ensemble. Je vous avais demandé de répondre à un certain nombre de questions posées lors du dernier épisode qui était carrière joueur pro. On crée un joueur ensemble, c'est vous qui décidez et vous avez été nombreux à me répondre. Et je me suis dit, on va essayer de prendre un petit peu de chacun. C'est-à-dire, il y avait du bon, du très très bon. Et j'ai pris, allez, pour faire vraiment un joueur qui sera notre futur star à nous, j'ai pris un petit truc de chacun. Donc on va commencer par le nom de la série. Le nom de la série qui nous a été trouvé par FIFA Style. Ou FIFA Style. La nouvelle légende. Voilà, là commencera, s'appellera cette nouvelle série, La Nouvelle Légende. On va aller, sans plus tarder, taper son prénom. Et il s'appellera Maël, trouvé par Dembouz23SRFC. Alors, on va aller taper Maël. Hop là. Le prénom, ça sera donc Maël. Le nom de famille, il s'appellera Ethan et c'est Bubble Gaming qui a donné son nom de famille, qui a trouvé le nom de famille, donc ça sera Ethan. J'ai essayé de trouver le mieux possible. De trouver le mélange, enfin de trouver ce qui aurait pu correspondre de mieux possible à notre futur joueur pro avec toutes les informations que vous m'avez données, toutes les idées. Donc voilà, il s'appellera donc Maël Ethan. Il aura en nom de maillot Ethan. On fait pivoter. Voilà, le numéro, ça sera le 35. Style du 35, les mecs. On y est, hop là. La nationalité française, l'année de naissance, on ne pouvait pas le changer. Mais j'ai pris la date de naissance de Flo BZH, qui entre parenthèses, j'ai trouvé super sympathique. Son petit clin d'œil à Monte Rubio, j'ai adoré. Donc merci à toi. Et ta date de naissance sera le 14. Attends, une petite seconde que je te retrouve. 14-07-1997. Voilà. Ensuite, nous allons continuer la création de notre pro. On va revenir après les cheveux et tout. Le poste. Ça sera attaquant, buteur. Ça a été proposé par Esteban Blin et Royal France CR. Voilà. Ça sera un pivot. Voilà. Ça a été trouvé par Maxwell 56. Et j'ai vu que pour Kylian, il voulait que ça soit un dribbleur. Mais ça, on se débrouillera pour que ça soit un dribbleur, hein, les mecs. On va lui mettre une taille. Alors, où c'est que c'est la taille? La taille, on va le descendre. On va le mettre à 1,70 m. Il va être petit, rapide. Et le poids, on va lui mettre 70 kg. Physique, maigre. Pied droit, pied gauche. Ça sera le pied droit. Voilà. Ensuite, on va aller voir sa coupe de cheveux. Alors, coupé longueur très court, qu'est-ce qu'on a? Non. Court. Celle-là, elle est parfaite. Ça lui va bien, ça. J'aime bien. Allez, hop. Couleur de cheveux.
On va lui mettre noir. Ah, les couleurs noires. Pilosité. On va lui mettre de la barbe. On va lui mettre de la barbe. Pas mal ça. Barbe fournie. Allez, couleur de la barbe. On va rester noir dans le classique. Les yeux. On va essayer de lui faire une tête assez sympa. Voilà. On va laisser ça comme ça, hein. Sinon on va dire qu'on dirait qu'il louche chinois. Donc on va accepter le détail des yeux. On laisse dans le milieu. Un quart de tueur comme ça, c'est bien. Détail des yeux numéro 2, large. Dans le milieu. Couleur des yeux. Pupille marron, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pupille marron. Ça c'est bon pour ça. Ça le fait, non? Il a une bonne tronche. Ok. Le teint. Ah, là, elle a une bonne tronche. Je trouve que comme ça, c'est parfait. Les arcades. Un quart méchant. On va lui faire un quart de tueur. Mal ça, c'est pas mal ça, en forme des sourcils. Un quart de tueur, on lui a dit, hein. Regardez ça. Oh, il est pas aimable. Ça sent le buteur, ça. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, les oreilles. On va pas toucher aux oreilles, le nez. On va lui faire un plus petit nez. Mal comme ça. Non, un nez pointu comme ça, peut-être pas quand même non plus. Pas mal.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu trop fin. Non? Comme ça, c'est parfait. Il a un tout petit nez. Une bonne gueule comme ça. Allez, on accepte. Narine. Nickel. Détail narine. Ça, la rigueur, on s'en fout. Voilà. Ensuite, les joues. Ça lui fait une gueule comme ça. Pas mal, non? Style des joues. On va les creuser un peu par contre. Yeah! Moi, il me plaît bien. Moi, il me plaît bien. Je sais pas pour vous, mais moi, il me plaît bien. La bouche. Oh, la bouche est bien, non? La bouche est bien, ça lui va bien. La mâchoire. C'est parfait, la mâchoire. Ouais, et le menton. Ah, il a un beau profil comme ça. Pas trop s'attarder non plus dessus. Moi, ça me va. Hop, hop. Ben voilà, les mecs. Voilà, il est créé notre bonhomme. Il est créé notre pro. Notre Maël Ethan, futur pépite du Stade Rennais, future légende, future star. 35 poteau, 35. Yep. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Termine l'action. Allez hop. On valide. Stade Rennais, un nouvel homme fort pour l'équipe. Ah ouais, ce jeu. Le joueur de 18 ans cherchera à faire bonne impression dans son club Stade Rennais. Suite à son récent transfert, manager Stade Rennais a proposé à son attaquant une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Lorsque le manager Stade Rennais m'a approché, je n'ai pas pu lui dire non. Ethan aura à cœur de briller pour son pays et son club. Dernier arrivé dans le groupe Stade Rennais, Maël Ethan. On n'a pas eu le temps de dire dommage. Dommage, dommage. Voilà les mecs, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il a une bonne tronche, je trouve que ça correspond relativement bien à tout ce que vous m'avez dit dans les commentaires. J'ai essayé de prendre un peu de tout. J'espère qu'il n'y aura pas de déçu, hein. Bien évidemment, le but c'est pas d'être déçu. J'ai essayé de prendre voilà, le mieux possible, de créer un personnage pour nous, quoi. Créer une nouvelle carrière. Et nous allons l'appeler. Alors, comment on efface déjà? Voilà. Carrière. Et nous allons l'appeler la nouvelle légende. La nouvelle légende. Allez. Hop, 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 hop. On essaie d'aller le plus vite possible. La nouvelle légende, les mecs. Voilà. Et on sauvegarde. Hop là. Alors. Voilà. On va aller voir mon pro objectif en championnat cette saison. Bienvenue dans la nouvelle saison. Les entraîneurs du club vous ont fixé des objectifs pour la saison et pour la suite de votre carrière. Nous estimons
que vous devez les atteindre. Prenez du temps pour les découvrir en observant vos objectifs de la saison. Bonne chance pour la saison. Espérons qu'elle soit pleine de succès pour le club. On espère aussi. Une moyenne de notes 6, 5 passes D, 5 buts et un maintien, un ratio de 10% de tirs convertis. Ok, on commence avec un général de 72. On est en BU. Maelétan est créé. Voilà les mecs. On va se retrouver très très vite pour enfin démarrer cette saison. Et on peut voir qu'on a déjà, on participe à European International Cup et qu'on a Francfort, Rostov et Hull City dans notre poule. Ça, c'est la pré-saison. Voilà. Voilà. Voilà la pré-saison. Regardez notre joueur. Il est pas beau notre joueur? Il a une bonne tronche, hein? J'aime bien, moi. Moi, il me plaît. On va aller faire un petit entraînement histoire de faire progresser. Allez, frappe de loin. Le dribble. La défense. Les passes pour marquer. Les coups de pied arrêtés. Les pénalties sont disponibles. Et on fait tout simuler. Voilà. Résultat. B, B, C, B, D. Il ne peut que progresser dans tous les cas. Voilà les potes, c'était la frappe style du 35. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce joueur pro qui vient de signer son contrat professionnel au Stade Rennais Football Club vous plaît? Il s'appelle Maël Ethan. Il porte le numéro 35. Et on va peut-être aller lui changer de pont. Choix chaussures. Choix chaussures. Ah ouais, c'est vrai que je sais tous. Toutes. Alors, lesquelles qu'on va se prendre? Quelle pompe qu'on va pouvoir se prendre. C'est plutôt Nike, Adidas. Les Messi. Voir les Nike. Faites voir les Nike. Les Nike, elles sont belles. Hein. Celles-là, elles sont belles quand même. Hein. Les fantômes. Ouf. Elles sont magnifiques, celles-là. Elles sont magnifiques. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là, Mbot. Elles sont superbes. Voilà les mecs, parfait. Voilà. On se retrouve pour une prochaine saison. On attaquera cette fameuse pré-saison avec ce tournoi European International Cup. Et on affrontera qui en premier match? C'est important. On affrontera Rostov. Est-ce que vous voulez savoir si on a été retenu ou pas pour le prochain match? Bon, on va aller savoir ça de suite. Oh, attendez. Calendrier est connu. Le calendrier est connu. Stade Rennais, les supporters connaissent maintenant l'affiche du premier match de la saison. Stade Rennais face à l'OGC Nice. Ok. Ah, il y a. Ok. Ethan aura à cœur de briller pour son pays et son club. Dernier arrivé dans le groupe, Stade Rennais, Maël Ethan a exprimé son ardent désir de défendre les couleurs de son pays. J'ai déjà vécu un rêve de gosse en devenant le footballeur professionnel. Et bien sûr, je ferai tout pour donner le meilleur de moi-même et me mettre au service de l'équipe Stade Rennais. Mais il n'y a rien de plus fort que d'enfiler le maillot de son pays. C'est pourquoi j'espère pouvoir très rapidement taper dans l'œil de mon sélectionneur France, a indiqué le jeune joueur. Voilà les mecs. On avance juste un petit peu, histoire de voir si on a été retenu. Et on se quittera là-dessus. Et on se retrouvera très 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 vite. Beaucoup plus rapidement que la transition entre le dernier épisode et celui-ci. Je t'ai retenu dans l'équipe d'aujourd'hui. Parfait. Voilà les potes. C'était la frappe style du 35. Dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur. N'hésitez pas à mettre un like si vous kiffez. Celui-là, c'est votre joueur. C'est le joueur de mes abonnés. On va essayer de faire une grande carrière à ce joueur. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Kékékéké. Kéna. Vos. Blah!